Voici les 2000 milliards de PIB. En 2010, ces 2000 milliards de PIB se répartissent en 60% qui va au salaire, 1200 milliards, et 40% qui va au profit, 800 milliards. Sur les profits, vous en avez la moitié, 400 milliards, qui sont investis. Nous avons ensuite le salaire. Le salaire, lui, il se répartit pour 55% du salaire. Soit en gros 650 milliards en salaire net, c'est les salaires nets, et 550 milliards à peu près en cotisations sociales, d'accord, qui vont aller aux pensions, c'est le principal poste, et à la santé. La pension, c'est 40% de ces 550, la santé, c'est 10% du PIB, c'est 200 milliards, hein. Et puis vous avez la famille et l'emploi, mais qui sont pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que la cotisation sociale? C'est l'enjeu décisif de l'affrontement de classe. Et pour le moment, nous sommes battus parce que nous sommes muets sur la cotisation sociale. Complètement muets. Tétanisés. La cotisation sociale, c'est une ponction sur la valeur ajoutée, bien sûr. Quand on dit que c'est une taxe sur le travail, enfin, toute dépense vient du travail, sans exception. Le profit vient du travail, ça c'est le profit, d'accord? Le salaire vient du travail, et dans le salaire direct vient du travail, la cotisation sociale vient du travail. Tout vient du travail. Il n'y a que le travail qui produise de la valeur. Et la cotisation sociale, c'est ce que nous piquons sur le droit de propriété lucrative. S'il n'y avait pas de cotisation sociale, nous aurions tous un droit de propriété lucrative. Ça, c'est le droit de propriété lucrative, ça. Ça, c'est ce que nous avons déjà arraché. Nous avons arraché 60% du PIB au droit de propriété lucrative. Je rappelle que nous en arrachions 70% il y a 30 ans. En 1980, c'était 70-30. Il manque 200 milliards chaque année à la peine, d'accord, du salaire. Pourquoi? Parce que nous avons troqué la bagarre du salaire contre la bagarre de l'emploi. Alors, on est sûr d'être perdant sur les deux tableaux. Et l'emploi, puisqu'on ne maîtrise rien, et le salaire. Erreur stratégique majeure que nous poursuivons indéfiniment dans notre quête complètement hallucinée du plein emploi, du vrai plein emploi, du plein emploi solidaire. La cotisation sociale, c'est ce qui est piqué sur ce qui irait au profit si elle n'existait pas. Pourquoi faire? Pour attribuer du salaire sans référence à l'emploi, pour attribuer du salaire libéré de l'emploi. La cotisation sociale, elle nous libère du droit de propriété lucrative, elle nous libère de l'emploi. 650 milliards, l'emploi. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur, comme aux USA, parce que si je suis dans une PME, je pourrais me brosser. Heureusement, ce n'est pas mon employeur et qui paye la retraite. Étant entendu que l'État n'est pas un employeur, parce qu'il n'y a pas de marché du travail dans la fonction publique. Nous avons déjà sorti 550 milliards d'euros de la propriété lucrative et de l'emploi. Ben, continuons. Sortons tout de la propriété lucrative et de l'emploi.
Investissons par une cotisation économique. On n'ira pas tout à fait jusqu'à 100%, mais il faut aller jusqu'à 25% du PIB, d'accord? Parce qu'il y a aussi les revenus du travailleur indépendant, il y a aussi l'impôt qui est actuellement tiré du profit, qu'il faudra tirer d'ailleurs, d'accord? Investissons 25% du PIB, d'accord? Passons de 400 à 500 milliards en créant une cotisation économique. En continuant ce qu'on fait le CNR, en ponctionnant le profit avant qu'il se forme. C'est pas en le ponctionnant. En ponctionnant la valeur ajoutée de sorte qu'il n'y ait plus de profit. Excusez-moi. Il ne s'agit pas de taxer le profit. Il s'agit de supprimer. Et si nous savons voir ce qu'a de révolution la cotisation, ce que nous ne voyons pas du tout pour le moment, pour une fois nous sommes muets, nous sommes tétanisés sur cette question. Si nous savons voir ce qu'est là, nous allons revendiquer une cotisation économique. Et nous allons en finir avec le droit de propriété lucrative. Et puis pour en finir avec l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut pas rester. Si nous voulons que ces 650 milliards aillent aux personnes et non pas aux emplois, il faut plus que ce soit les employeurs qui payent. Il s'agit que les entreprises versent une cotisation salaire, tout comme elles versent aujourd'hui une cotisation sociale, une cotisation salaire qui ira à des caisses de salaire qui verseront les salaires indépendamment du chiffre d'affaires de telle entreprise. Et nous libérerons les entrepreneurs. Nous libérerons ceux qui aiment animer des collectifs de travail, nous les libérerons de leur fonction d'employeur. Vous savez, il y en a qui s'en foutent plein les poches, mais ce n'est pas la majorité. Prenez, je ne sais pas quoi, moi, un expert comptable qui a 12 salariés. Ce qui l'intéresse, c'est son boulot. Ce qui l'intéresse, c'est d'animer une équipe, il aime ça. Ça l'emmerde d'être employeur. Demandez qui je licencie, c'est une baisse de chiffre d'affaires, ça l'emmerde profondément. Libérons-le. Libérons-le par... Et ça va libérer les entreprises, ça va libérer le travail. Non seulement le travail de ceux qui n'aiment pas être chef, mais le travail de ceux qui aiment être chef aussi. Et il en faut. Cette attribution à chaque personne d'une qualification suppose que toute la valeur ajoutée devienne des cotisations. Cotisation salaire à des caisses de salaire, cotisation sociale à des caisses de sécurité sociale, cotisation investissement à des caisses d'investissement. Voilà ce que je voulais dire ce soir.